Quoi de mieux qu'une monture toute moche pour affronter, pour apporter le thé à bref, la terreur dans le cœur des Murlocs et ainsi les forcer à me respecter? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je me doute bien que ça marche, mais bon, je n'ai jamais essayé de le tuer avec une apocalypse. L'idée étant bien sûr qu'il faut que la berceuse touche. Bien. Ah non, non, mais j'ai fail. Non, c'est pas grave. Parce qu'on va y arriver quand même. Là, il va faire son ballon. Bon, ça c'est pas grave hein, si on la rate maintenant. Ce qu'il faut, c'est que l'hanneton survive et que Berceuse touche une deuxième fois. Parfait. Et maintenant, on va voir le résultat avec l'apocalypse. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais il faut m'expliquer là. Non mais je vous jure. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis obligé d'affronter mon ennemi normalement. C'est le monde à l'envers. Alors. Mordicus. Et comment qu'il s'appelle? Le truc de la semaine des enfants. Voilà, Monsieur Trémousse. Que des anti-humanoïdes. Non mais c'est pas possible ça. L'apocalypse. Elle me rate, on est d'accord. Enfin, je suis insensible. La frappe est bloquée. Apocalypse disparaît de votre équipe. Non mais il y a eu un bug. Il y a eu un bug, c'est pas possible. Toi tu vas tanker un tour de plus. C'est pas bien grave. Toi tu vas spam piétiner parce qu'il y a beaucoup de survie de vie, donc 240 de dégâts de bonus. C'est pas mal. C'est l'idée que je voulais. Non, mais j'en reviens pas, quoi. Bon, c'est pas une morsure, hein, parce que... du coup, je suis obligé de le tuer normalement. Non, mais je suis dégoûté. Mon apocalypse, mon idée géniale. Je comprends pas ce qui s'est passé. Si quelqu'un le sait, il peut le dire.